des villes pionnières qui ont été créées par des gens venus du sud principalement pour développer la production de soja. Et quand les gens ont acheté ces terres-là, ils ont envoyé une expédition à pied à travers la forêt, ils ont ouvert un chemin à la machette, ils ont dégagé une clairière pour qu'on leur parachute des vivres d'abord, puis qu'après on puisse faire une piste d'atterrissage. Et quand les avions ont commencé à se poser, on a commencé à construire la ville, le Far West. A soja é, aqui no Brasil e em todo o Hemisfério Sul, a locomotiva, ponta de lança de um novo modelo de produção do capital, que é o agronegócio. Então, aqui no Brasil nós temos fazendas com 240 mil hectares só de soja e ela tem um mercado mundial controlado por apenas 5 empresas, a Bunge, a Monsanto, a ADM, a Cargill e a Dreyfus. E com isso eles especulam com o preço, especulam com os estoques e manipulam, porque eles transformaram a soja na principal matéria-prima do alimento animal, como se fosse o único alimento do mundo.